做错的过程，它是一个复杂的过程，它就和做人一样，酸甜苦辣香都有。来得白醋，白醋和香醋啊。依次对它的色泽、体态、气味和滋味嘛进行了一个评价。Le bois de chauffage, le riz, l'huile, le sel, la sauce, le vinaigre et le thé sont les sept nécessités de la vie pour les anciens Chinois. Quant au vinaigre, on pense souvent qu'il est aigre, mais ce n'est pas vrai. Le vinaigre de Zhenjiang, par exemple, est aigre sans âpreté, parfumé et légèrement sucré. Et les habitants de Zhenjiang comprennent que l'harmonie de l'aigre et de la douceur est l'essence de la vie. Au début de l'hiver, la plaine du Yangtze s'est déjà étiolée. Tiao Xiang, un technicien du vinaigre de 33 ans, avance les mains dans la cuve de fermentation pour savoir la température. C'est la 10e année que Tiao Xiang travaille à la vinaigrerie. Mais pour d'autres personnes, il est toujours le fils du maître vinaigrier Tiao Guiqing. Les chaînes de production modernes ont depuis longtemps remplacé le modèle de fabrication manuelle du vinaigre. Mais le processus technique traditionnel n'a jamais changé. Le musée de la culture du vinaigre permet aux visiteurs de découvrir le processus. Face au regard des visiteurs curieux, Tiao Xiang a presque oublié la priorité d'aujourd'hui. Son père, Tiao Guiqing, travaille dans la vinaigrerie depuis près de 40 ans. En 2017, une opération l'a obligé à quitter son métier de vinaigrier pour lequel il s'est tant dévoué. Afin de transmettre et d'améliorer la technique de fabrication, son père, qui joue aujourd'hui le rôle de conseiller, commence par les étapes initiales. Zhenjiang est situé au confluent du fleuve Yangtze et du grand canal Beijing-Hangzhou, où le climat est doux et humide toute l'année, et le sol fertile fournit une matière première de haute qualité pour le vinaigre. Le riz glutineux originaire d'ici a une teneur élevée en protéines brutes et l'amylopectine est assez visqueux. Avec l'eau de la source Zhonglingquan provenant du fleuve Yangtze, le vinaigre fabriqué à partir de ces ingrédients est assez moelleux. Le riz glutineux trempé est cuit à la vapeur à une température élevée, puis, quand l'amidon est suffisamment visqueux, on refroidit le riz avec de l'eau froide provenant de la source pour que le riz se contracte et que les micro-organismes se multiplient. Il est important de faire cuire le riz glutineux à la vapeur pendant le temps nécessaire. Si on ne le cuit pas assez longtemps, le riz sera trop dur pour fermenter et se saccharifier. Si on le cuit trop longtemps, le riz deviendra collant et mou, ce qui le rendra vulnérable aux infections. Son père, Tiao Guiqing, surveille soigneusement ses moindres gestes.
de peur de manquer un seul détail. Le rôle de l'enseignant strict et celui du père tendre alterne tranquillement.三天糖化，酒满糖以后加曲加水，进一步酒化。我们前期做的工作都是为住宿做准备，住宿先做酒，好酒出好醋。 Après 10 ans de fabrication de vinaigre, Xiao Xiang a su transmettre son savoir-faire. Mais pour son père, il est toujours un enfant qui vient d'apprendre à marcher. Un an entré, 3 à 5 ans entré, il a une base entré. Mais dans le détail, dans un processus de travail, il y a des points de travail qui ne sont pas bons. À ce moment-là, je vais vous aider. Donc, jusqu'à maintenant, je ne vais pas faire de repas. Levez-vous. 这个是不要这样做，这个转换，就可以了。行了，然后两个就开始对劈了，动耙要动稳，过来以后，这个耙头要向上凹，它就撒开了。对。Xiao Guiqing répète ses gestes depuis des dizaines d'années. Pendant la plupart des jours passés avec le vinaigre, il reste silencieux. Mais aucun ne connaît la satisfaction qui règne en son fort intérieur. Le vin doit être conservé au frais, mais pour le vinaigre, c'est au soleil. Le père et son fils marchent parmi les cuves de vinaigre. Xiao Xiang comprend peu à peu la bonne intention de son père. La rencontre entre le moût de vin et le vinaigre non filtré est sincère et élégante. Celle entre le vinaigre et le monde est tendre et douce. Réussir à l'évaluation du technicien est non seulement l'attente de son père, mais aussi une épreuve dont il lui faut réussir. Trois générations de vinaigriers dessinent leur carrière. Quand ils arrivent, le moût et le vinaigre sont totalement séparés. Quand ils partent, le moût devient le vinaigre et le vinaigre symbolise leur carrière. Le musée de la culture du vinaigre, qui a été récemment construit, réduit l'écart des générations. Xiao Yichan, 9 ans, voit le nom de son grand-père sur le mur. Ces rangées de cuves de vinaigre noir traversent une histoire immense, qui servait aussi autrefois à son père et à son grand-père. Elles ne s'effaceront jamais. Dans
超过于我，这是我的期望。Ces vinaigriers simples sont comme le moût de vinaigre disposé en couches. Ils répondent tranquillement mais fermement à l'évolution du temps. Mais ils ne savent pas que le vinaigre qu'ils ont fabriqué est sur le point de partir. Il va être transporté sans heurts à l'aide d'un réseau de logistique, rejoignant les foyers des gens ordinaires pour devenir un bon assaisonnement. En novembre, dans la rue riveraine, Li Yongchang, âgé de 68 ans, commence sa journée en achetant du vinaigre au marché. Si le prix du vinaigre baisse, la liste de courses de Li Yongchang s'enrichit. Li Yongchang est un employé retraité de l'usine des équipements auxiliaires de navires de Zhenjiang. On l'appelle Lao Li. Depuis que sa femme Zhou Xiaoping souffre d'ataxie spinocérébelleuse en 1991, Li Yongchang la transporte à l'hôpital tous les jours pour lui faire suivre un traitement d'acupuncture. Le jeune homme dynamique a un septuagénaire, il continue de la porter sur son dos depuis 30 ans. Pour prendre soin de sa femme, Li Yongchang, toujours inquiet, a créé une approche unique du traitement diététique pour se ménager. Il fait cuire l'oignon et le gingembre dans une marmite à température élevée. Puis, il lave les crevettes, puis les laisse mijoter quelques secondes. Un plat de crevettes est préparé. Pour les habitants de Zhenjiang, manger les crevettes nécessite de les tremper dans un petit bol de vinaigre. Li Yongchang croit également que le vinaigre a pour effet de baisser la tension artérielle et d'améliorer les vaisseaux sanguins. Bien sûr, la première crevette est pour sa femme. La crevette est aigre dans la bouche, mais douce dans le cœur. L'amour vrai n'a pas besoin de paroles superflues. La vie est peut-être compliquée, mais l'amour peut être très simple. Grâce aux soins attentifs de Li Yongchang, sa femme peut indépendamment mâcher et avaler. Son horloge biologique régulière a été réveillée par l'affection. Certains sont changés par le temps, alors que d'autres le changent. Je mange combien de量? 其实我吃多少水, 什么时间段,
他要排掉，我都很掌握得住。我的喝水了啊。Pendant 365 jours par an, il ne quitte jamais sa femme. Maintenant, sa vieille épouse ne peut plus se passer de médicaments. Comme compagnon de jeu d'enfance, leur jeunesse a déjà été figée il y a 40 ans. Prendre soin de sa femme est devenu une habitude, mais prendre soin d'elle attentivement nécessite un grand savoir. Li Yongshang sait comment adapter la proportion de l'eau et du vinaigre à la température des saisons différentes. Même s'il connaît cela par cœur, il est toujours aussi méticuleux à chaque fois. De l'amour de leur jeunesse à l'interdépendance de leur vieillesse, ce couple semble avoir oublié toutes les vicissitudes de la vie. Ils ne savourent que la vie au présent. La promenade riveraine est pleine de feuilles. La ville de Runzhou est le témoin du 40e anniversaire de mariage, les noces d'argent de ce couple inséparable. Le temps a changé leur physionomie en brouillant leurs souvenirs. Mais la joie qui découle du véritable amour est toujours ineffaçable. Le soleil doux de l'hiver s'élève peu à peu de l'horizon. Le laboratoire de recherche et développement est déjà très occupé. Wu Lingling, une femme ingénieure alimentaire de 32 ans, est sur le point de passer un examen unique. Les gourmets de l'équipe d'analyse sensorielle évaluent aujourd'hui un nouveau produit, une vinaigrette. La vinaigrette est également connue sous le nom de vinaigrette au sésame. Elle a d'abord été utilisée pour le trempage et le touillage dans la cuisine japonaise, et puis elle est devenue un ingrédient des salades dans la cuisine occidentale. La nouvelle vinaigrette introduit le concept de zéro graisse en gardant sa saveur originale aigre-douce. Cette série comprend également différentes saveurs, fleurs de cerisier, kumquat, fruits de la passion, etc. Un clin d'œil, une assiette de légumes frais est déjà préparée. La vinaigrette finie est épaisse et douce, gluante comme du miel. Lorsqu'elle est combinée avec les légumes, c'est un autre plat délicieux. C'est un travail délicat de 5 heures. Il faut tenir compte tant de la saveur que du goût pour satisfaire les sens exigeants des gourmets. Cela demande plus d'efforts.
反正味道有点淡。油醋汁，用筷子拌了，找到了吗？我也着急呀，这人都来了。Créée par Wu Lingling en 2017, cette équipe est la première à s'engager dans l'analyse sensorielle en Chine. Wu Lingling mène régulièrement des formations pour les gourmets afin de maintenir et de renforcer leur mémoire sensorielle. 小组现在是十一个人嘛，这样情况下的话，就是说，十一个人都到，但是一般的话，可能有人有事嘛，一般八九个人就够了。Les gourmets prennent place les uns après les autres.Wu Lingling leur donne les échantillons et les enquêtes d'évaluation un par un. La dégustation commence à l'heure. Les gourmets observent, sentent et goûtent. Ce qui semble être un acte simple nécessite en fait de maîtriser assez de trucs.一次对它的那个色泽、体态、气味和滋味嘛进行了一个评价，最后还对它的一个综合的口感进行了一个喜好性打分嘛。Un tel système d'analyse sensorielle est normal dans la phase de développement de nouveaux produits. Wu Lingling et ses collègues sont confiants et heureux. 打分的话就是说不是很理想，都是持一般喜欢态度。就是说这款油醋汁的话还需要继续改进，因为它的味道总体来说是比较淡的，风味和滋味受食材的影响，没有体现出它的特色特点。就是我们后面还需要对它的配方进行优化。La quantité d'huile brute de sauce soja dans la vinaigrette est faible. Et on utilise plutôt le vinaigre sous forme liquide. Il y a donc un manque de saveur de base et aussi d'épaisseur en matière de goût. L'équipe de R&D doit revenir au vinaigre noir. Pour les chercheurs, l'alternance entre les saveurs aigres et douces est une belle mesure de la transformation de l'invisible en visible. Sans des milliers de mélanges et d'analyses, comment peut-on comprendre le secret des aliments ? Lorsque le soleil se couche, la température baisse, ce qui leur permet enfin de faire une pause. Le temps libre est toujours réservé à la famille. Né en 1991, Wu Lingling vit à Zhenjiang depuis 4 ans. En tant que nouvelle résidente de Zhenjiang, elle se fond dans le milieu local. Au bout de la vieille ruelle se trouve le restaurant de nouilles cuites à l'étouffée.C'est le plat préféré de son fils. La présence de la famille permet de passer un moment détendu et doux. Son fils de 2 ans ne connaît pas le secret de ce bol de nouilles. Chaque bouchée a nécessité beaucoup d'efforts enthousiastes de la part des chercheurs. Comment augmenter l'intensité de la fraîcheur et renforcer le goût et la profondeur de la saveur ? On maîtrise la méthode de l'analyse rapide et du mélange efficace. Wu Lingling est assisté par 2 maîtres, un nez électronique et une langue électronique. De nombreuses personnes ont goûté des condiments, mais peu de personnes arrivent à connaître leurs secrets. L'échelle d'évaluation sensorielle normalisée et le modèle d'analyse sensorielle fourni par le système intelligent donnent à Wu Lingling une nouvelle base théorique et une référence technique.Un autre cycle de transformation du vinaigre noir dans le laboratoire commencera. Le vinaigre apparemment noir est transformé par l'action de la chute des réactifs et de la température élevée, soit fraîchement extrait, soit fermenté sur les étagères, soit échaudé par le feu ou mis de côté temporairement pour l'utiliser plus tard. Parmi les 1000 saveurs, le vinaigre n'est qu'un simple condiment, mais il y a toujours des personnes qui y consacrent leur temps.
Dans des coins ordinaires, ils mesurent de leurs pas infatigables leur vie. C'est l'heure d'une nouvelle évaluation sensorielle. Les mêmes gourmets, le même endroit, des résultats de dégustation différents. Aujourd'hui, les yeux de Wu Lingling brillent de confiance et son fils est fier d'elle. Avec la famille comme soutien, la distance qui la sépare de la réussite n'est plus si lointaine. La verrerie bien rangée de ce laboratoire restera profondément dans le cœur de cette jeune mère pour lui inspirer de nouveaux produits apaisant les papilles gustatives du monde entier. Ils trouvent leur carrière aussi douce que le miel et leur contribution sera fructueuse. Tel le vinaigre noir de John Young dans une cuve noire, il assimile la quintessence de la nature et offre sans cesse son odeur pour nourrir la vie.